La journée, ça là, ça en a fait c'est 200 000 francs par jour, spécialement pour mon aura. Ah. À tout à l'heure, vous allez être pilé. Vous n'avez pas dit c'est vous qui savez faire les choses aux gens. Je suis dans mon coin là, vous n'aimez pas. Vous allez apprécier. Je vous adore, Tina Glamour, la Spenja. Bien le bonjour, dames et messieurs, bienvenue dans votre émission Fafa, la meilleure émission qui défraie la chronique, qui parle de l'actualité, de tout ce qui se passe sur la toile. Vous savez bien, Fafa, c'est l'émission dans laquelle on se voit, on se dit les bains et puis ça va pas quelque part. Alors aujourd'hui, je suis là, présent, la légende vivante, sans oublier mon binôme de tous les temps, l'homme aux questions, ton nutrient, le big Anaconda, Anaconda. Anaconda, yes I. Alors, recevez votre humble serviteur que je suis, Serge Defalé, la légende vivante. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale. Alors, pour parler de l'invité, il faut que j'enlève mes lunettes, parce que c'est très important. Cette dame, elle a révolutionné le style musical et le genre de la scène ivoirienne. À l'époque, nous étions très jeunes, elle est revenue fraîchement des États-Unis. Avec son style, avec sa manière de faire, elle a bouleversé tous les codes. Personne ne comprenait son style, on se posait des questions. Elle a fait des featuring avec des grands et des renoms de la musique urbaine en Côte d'Ivoire, d'antan, que je salue la famille RAS, Bonnie et le bishop, mon vieux Kodia. Et après, elle a sorti des titres, des hits à succès. À un moment donné, il y a eu l'avènement du coupé décalé dans les années 2000. Et là, elle sort Sexy Moulance, tube interplanétaire. Aussi la mère d'une icône qui aujourd'hui nous a quittés, mais a fait fort aussi dans sa génération. Elle est encore présente, elle est là. Et à travers cette émission, elle a décidé d'éclairer la lanterne de tout le monde sur beaucoup de points d'ombre et de zones d'ombre qui se passent dans sa vie et la vie des personnes avec qui elle a eu des collaborations, des échanges et souvent par moments des mésententes. Dames et messieurs, recevez ici, aujourd'hui, dans cette émission inédite de Fafa, la grande, la géante, la Dja-Dja, comme je l'appelle, Tina Spencer. Oh, la Dja-Dja. Oh, la Dja-Dja. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Merci, c'est un plaisir pour moi aussi de te revoir. Oui. Quand je te vois, je pense à Bank. Bien sûr. Ça fait quand même 10 à 11 ans, je suis pas parti en France. Oui, oui. Mais je veux dire lors que lors de ton dernier spectacle. Oui. Mon dernier spectacle, et puis j'ai fait un spectacle aussi avec le grand Mopao. Oui. Avec qui encore là? Il y avait un autre artiste à Montparnasse. À Montparnasse, oui, voilà, la salle de Montparnasse. Les gens pensent qu'on est là, on n'a pas de. Ceux qui ne savent pas, ne parlent pas. Dans le cirque. Ceux qui ne savent pas, ne parlent pas. Alors, chanteur divin du monde aussi. Hein. Mais bien sûr, attends, divin du monde quand même. Je suis parti à Paris aussi par le billet du grand footballeur, là, BT, là. Et Basile Boli. Oui, Basile Boli, je suis passé à Paris par la grande porte. Hein. Ah oui, quand même. Attends, quand même. Ouais. Si, si, si. Champion. On salue Basile Boli, qu'on salue au passage. Ah oui, Basile. Attends, Ayoka. Big up, big up. Hein, le grand la grande frère. Famille, on est ensemble. Anaconda. Dans le bonjour de Fofana, ça c'était la présidence. Il te dit bien des choses. Ah, mon locataire là. Oui. Ah d'accord, il va bien. Oui. Fofana, j'attends ton pecto. Hein. Quand tu dis pecto. Maman Tina. Oui. Valentino, comment tu vas? Content de te voir. Ben ça va. Content de te voir. Merci. Depuis le moment que tu t'es retiré, tu veux plus faire de bruit, tu as décidé de rester dans ton coin. Mais les gens, ils sont en train de piailler un peu de gauche-droite, se mettre dans ta vie. Tu les as fait quoi même? Ben écoute, écoutez, d'abord merci pour la question. Je me porte bien. Dans la vie, il faut reculer pour mieux sauter. Je suis une personne aujourd'hui qui n'a plus son fils. C'est pas. Donc, même si on m'a volé mon titre de mère pendant les obsèques, je ne reviens pas là-dessus, j'ai su me canaliser dans mes différentes affaires en créant par exemple mon mini-bar resto, le Desaltero,
Et là, je m'apprête à ouvrir ma boutique de cosmétiques, Love Cosmétiques. Il y a quelque chose que mon fils et moi, on devait faire. D'accord. Donc, je n'ai pas le temps de m'occuper des moustiques. Je suis une personne, je suis casanière de nature. On ne m'invite pas quelque part, on ne me voit pas. Mais effectivement, aujourd'hui, je suis devenue la salamande d'une télé de la place et de certains internautes qui viennent infecter ma page Tina Glamour. Quand une dame, d'abord, je vous apprends quelque chose, je ne suis pas téléphone. Ok. Gawa dans le téléphone va me tuer. Moi, j'aime mes petits téléphones secs, là. Le Bescla. J'adore ça. Mais attention, en mode qualité. Ok. Il y a une marque que j'adore, je ne vais pas dire ça ici. Et j'ai appris à utiliser des Android il n'y a que un an. Ok. Il n'y a que un an. Quand je ne connais pas, on me montre comme un bébé parce que ce n'est pas de mon époque. Il y a des gens même ici qui sont même des grands types. Ils ne sont pas gadgets. Je sais, même ordinateur, tu me donnes, je ne connais pas. Mmh. Non. Ça n'engage que moi. Okay. Ceux qui parlent de moi aujourd'hui, là, c'est des gens qui sont perdus dans la tête. Moi, je suis stable dans ma tête. Eux, ils sont perdus. Mmh. Donc, aujourd'hui, dans l'émission, je vous dis vraiment merci pour la considération encore une énième fois. Okay. Parce que trop, Anaconda, c'est trop. Parce que moi, j'ai vu une vidéo lors d'une émission un peu récente avec une animatrice qui essaie de lever le ton. Mais c'est dit, mais attends. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'elle a eu? Toi, tu vas me faire moi la morale de me dire je suis trop sur les réseaux sociaux. Ça te regarde, c'est toi qui payes mes passes. On peut faire un débat à la française, à l'américaine, tout en respectant les gens. Mm-hmm. Elle est sûre que elle, si elle prend par exemple quelqu'un comme Jean-Claude Van Damme, il y a longtemps, elle va avoir sa mâchoire déplacée. Moi, je me bats comme un tigre. Je me suis abstenu parce que ce n'était pas un boxing club. Mais je l'ai clashé après dans une vidéo. J'ai gardé mon sang-froid. Pas parce que j'ai peur de qui que ce soit. J'ai gardé mon sang-froid pour le respect du patron qui est M. Didier Bléou. Mais j'ai senti un peu que ce n'était pas quelque chose qui était improvisé de sa part à elle. Ce n'est pas ma camarade. Je suis passé dans des chaînes de télévision où on m'a donné tous les honneurs, tous les éloges. Moi, je suis trilingue, je suis bilingue, moi, je ne suis pas là pour ça. Il y a eu des excuses. Et je lui ai dit, je n'ai pas besoin de ses excuses, je lui ai dit, je n'ai pas de leçon à recevoir d'elle. Si je veux faire 44 vidéos, c'est mon problème. Mon travail même, c'est pourquoi. Donc, les gens vont m'insulter, même je n'ai qu'à me taire, les amis, je ne sais pas, des bons arrières vont parler mal de moi. Moi, je ne suis pas une sœur, je ne suis pas une nonne. Je suis quelqu'un qui a un cœur et qui a de la chair. Et de surcroît, qui a eu un choc qui n'était pas prévu dans sa vie. C'est la perte d'un de mes enfants. On me dit, oui, tu n'es pas la seule qui a perdu un enfant. Mais je suis celle qui vit ma chose. Hein. Si vous voulez donner poison à vos enfants, vous allez voir ce que c'est la mort d'un enfant. Il y a le grand frère Sénico. Actuellement, je suis affreux avec lui. Mais il a eu à perdre sa première fille. Mais il y a des moments où je ne comprenais pas. J'étais loin d'imaginer que ça allait m'arriver. Donc, ce qui m'est arrivé là, et vous là, hein? Faites attention, je ne vous souhaite pas ça. Je pense que, en fait, pourquoi tu sais, depuis que je ne parle pas, j'écoute, parce que je voulais entendre vraiment ce que Tina a dans le cœur, tu vois. Ah, mon cœur est gâté. Et là, tu vois, elle exprime ce qu'elle a réellement gâté dans le cœur. Et c'est important. Mais je vais parler posément, voilà, et pour que ça rentre dans leurs oreilles. Là. Donc, récemment, dans un de tes dialogues, bon, je sais que tu en as fait plusieurs, mais il y a un qui m'a un peu retenti à l'oreille. Parce que là, j'ai senti dans tes propos une femme qui était un peu au bord du gouffre, c'est-à-dire qu'elle a eu marre, un certain ras-le-bol. Et tu étais avec ta fille Carla à l'hôpital. Et c'était un direct d'un matin où tu as réveillé toute la toile. Tout le monde donnait, tu te réveillais, vous, réveillez-vous, tout le monde. Moi, il dormait. Quand il est venu, je me suis réveillé. Il dit, mais ah, comment tu es en matin? Il y a quoi? Et j'entends des propos, surtout concernant la mère de ta petite fille, Rafna, Carmen Sama, disant, demandez à Carmen où elle a mis mon fils Didier Arafat. Wow. Où elle a mis son fils Didier Arafat? Oui. Disons, Carmen l'a tué ou mais Carmen l'a fait disparaître? Je ne sais pas, mais quand elle demande, où demande à Carmen Sama, c'était, je dormais, ça m'arrivait. Hein. J'ai dit, la maman, à quoi matin? Qu'est-ce qui se passe? Parce que tu sais,
je la vois Carla à l'hôpital avec Carla, ça m'a fait un peu. Mais c'est profond ce que tu dis. Si ce direct-là a été dit par Tina Spenga, du genre, Carmen, où tu as mis mon fils, Carmen, tu l'as tué, mais tu l'as mis, qu'est-ce que tu as fait à mon fils? C'est ce que ça signifie, selon moi. Bon, là, maintenant, comme la Djadja même est là, elle va nous expliquer parce que ça m'a fatigué un peu. Alors, merci pour la question. Oui. Merci pour la question. Je suis une personne, j'en magasine beaucoup. Ouais. Voilà. Et quand ça fait tilt, j'explose. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail. La vidéo de Réveillez-vous, c'est parce que j'avais déjà fait une vidéo la veille. Non, la nuit. La nuit. Dans mon bar, resto. Parce que j'ai eu écho d'un dit de la part de cette personne. Tellement j'ai pas envie de dire son nom. Que moi j'ai faim. Qu'elle n'a pas le temps de me donner de l'argent avec moi, ma famille. Donc on m'a envoyé ça. Ça a tourné. J'ai dit bon, trop c'est trop. J'ai tout protégé cette petite-là. C'est une petite, hein. Moi j'ai 100 ans. J'ai 100 ans. Donc, je dis pour une fois, je ne suis pas hypocrite. Je vais lui montrer que celui-même qui lui a fait un enfant, là, c'est usine de Zinseya qui est là. Et puis, chose. C'est là que j'ai fait les différentes vidéos. Le réveillez-vous, c'est que la nuit, je recevais des injures. Et venant de qui? Des internautes. Okay. Des groupes. Des gens qui sont groupes de X, groupes de 1. Comment mon palabre finit pas? J'ai dit, bon, le matin, je devais aller voir. Est-ce qu'ils me connaissent? Le matin, je vais finir de préparer pour ma fille et puis je vais les réveiller. C'est ça, du palabre finit pas. Elle pense que quoi même? Je suis blessé dans mon aura et dans mon âme. Personne ne peut m'enlever ça. Ça n'a rien à voir à faire mon deuil ou pas. Je ne pourrais jamais faire le deuil de mon garçon là. Jamais! C'est pas parce que je suis là, je ne dis rien, que n'importe qui va penser. Évoluer dans la vie, là, c'est quoi? Arafat a laissé plein de choses. On n'a même pas mis un pneu de sa voiture dans sa tombe. Dans tous les cinémas que je vois, Jean, et puis elle, en fait, c'était quoi? C'était pour lui faire comprendre que ce que tu es là, c'est grâce à l'enfant de la femme que je suis. Moi, je ne suis pas la merde de quelqu'un. Donc, le réveillez-vous, là, c'est vous dit, c'est le rembat de hier, vos injures, là. Ouais. Je suis sur vous. Okay, et j'ai enclenché maintenant. Mais après, puisque j'ai parlé de ses parents, tout, voilà. Comme je suis bien éduqué, j'ai appelé un journal de la place pour présenter mes excuses d'une manière subtile. Ok. Genre, je mords et puis je souffre. Mais parlons des grands-mères, Saman. Elle te permet de voir ta petite fille? Ça fait. On m'aurait envoyé un poste. Oui. De la part de Makoso. Le même Makoso qu'on connaît. Camille Makoso, oui, il n'y a pas deux. Ok. D'abord, Camille Makoso, vraiment, ton poste m'a blessé. Parce que tu ne peux pas écrire Carmen ne va plus te donner Rafna et ça va aller nulle part. Le ministre Ahmed Bakayoko est mort. Qu'est-ce que le ministre Ahmed Bakayoko a à voir dans le pauvre qui est en bas de la terre? Le pauvre qui a été toi ton ami, toi Makoso, pendant que. Avant même qu'il y ait le malheur, je t'appelais parce que je te prenais pour un homme de Dieu posé. Et jusqu'aujourd'hui, je te prends pour un homme de Dieu posé. Tu n'as pas à t'ingérer de mes problèmes familiaux. Rafna a 48 dents dans la bouche. Elle sait qui est mamie Tina. Si quand même on ne m'emmène pas Rafna, Dieu m'a emmené Rafna parce que cette femme, elle s'agrandit vite. Je ne suis pas en manque de petits-enfants. Toi, tu n'as pas encore eu de petits-enfants parce que tes enfants sont encore jeunes. Mais tu n'as aucun droit de venir trancher une affaire, ça ne te l'a pas. Ça m'a blessé. Et le but, c'était de me blesser. Et maintenant, le ministre Ahmed Bakayoko ne vit plus. Ça va aller nulle part. Aïe. Mais ça ressemble un peu à une trahison parce que Makoso, il était très proche du feu Ahmed Bakayoko. Je ne rentre pas dans ces détails. Je parle de ce qui m'engage. Parce que je ne veux pas que celui-là mette sa bouche là sur moi. Parce que s'il le fait. Après son poste, tu as demandé à Carmen Saman si c'est vrai. Carmen et moi, on n'est pas. On n'a pas élevé les cochons ensemble. Ce n'est pas ma camarade. C'est quelqu'un qui a eu un enfant parmi d'autres femmes avec mon fils. Et elle s'appelle Carmen Yao. Je ne suis pas venu pour m'étaler sur ce genre de bêtises-là. Okay. Carmen Makoso a dit
Et moi, tout ce que j'ai fait, je n'ai pas fait de clash. On avait fait une émission dans une radio de la place où il avait promis de m'emmener en Israël. Vous avez vu, non? J'ai posté la photo sur ma page. J'ai dit, Makoso, tu te rappelles? Oui, mais c'est Israël là qu'elle me trouvait à Abidjan. Je n'ai plus besoin de ton voyage. Je n'ai plus besoin de choses. Tout ce que je veux, je ne veux pas d'histoire avec toi. Quand tu m'appelles grande soeur, oui, c'est parce que tu m'as donné 1 million de Yako. C'est vrai. Tu as donné 1 million, tu as donné 1 million à Carmen. L'autre varan, elle me poursuivait, je lui ai donné 80 000 dedans. Tu as donné 80 000 francs, hein? Hein, 2 plats de foutu. Je n'ai pas aimé la sortie. Il prend la vidéo. Il est là, Tina. J'ai pas de leçon à recevoir de toi, Makoso. Je ne me suis jamais mêlé de tes problèmes de famille. Ne te mêle pas des miens. Et il y a un autre problème. Tu t'autoproclames le pasteur de la Chine. La Chine, là, c'est l'armée de mon fils. Il faut chercher un autre pour toi. Maintenant, si tu n'es pas content, là, moi, ce n'est pas ça, là, mais ça, hein. Il y a 10 ans sur toi. Donc, tu peux confirmer que tu peux voir Rafna quand tu veux. Mais Rafna a 48 ans, ça veut dire qu'elle grandit. Mm-hmm. Pour l'instant, elle ne me donne pas Rafna. Ça veut dire qu'un enfant ne se perd pas, le sang ne se perd pas. Oui. Moi, je n'ai pas de problème, l'enfant s'appelle Won. On ne peut pas t'interdire ta petite fille. C'est le poste, ça m'a blessé. Parce que Rafna est née dans ma main. Oui. Mais, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Mais apparemment, Tina, tout le temps on dit non que c'est Tina Sweater qui fait ci, qui fait ça. Mais moi j'ai l'impression que par moment on te provoque aussi. Non, on me provoque. Il y a toujours un guise qui rose. Il y a toujours un guise qui rose. Bon, encore non, récemment... on me prend pour quelqu'un qui est folle. Ouais. On me prend, moi je suis une bonne folle. Vous pensez que je suis bête là? Je jouais avec l'esprit, je dis je suis Puma. L'esprit de Puma. Hé, oula, moi j'ai fait cinéma. Il y a ça dans mes veines. Tu es une actrice. Je n'ai pas commencé par la musique. Je suis une actrice. D'abord. Puma, là, c'est un animal, il est tellement mauvais. C'est-à-dire, il peut t'attendre ici, mais il te rate jamais là. C'est-à-dire, quand il commence là, s'il est ici, par exemple, je dis n'importe quoi, il a Makori, il faut t'aboquer. Il ne va pas te reconnaître. On a laissé un artiste ici, mon frère Défalé, moi, K.S. Bloom. Il a dit que, mais, sinon, ce monsieur aurait dû laisser le pasteur qui a dit qu'il allait réveiller à la fête. Oui, qu'ils ont empêché les pasteurs de toucher à la le jour que je ne sais pas qu'est-ce que c'est là. Le jour qu'il va perdre de ses parents, il n'est qu'à prendre un pasteur pour aller réveiller son parent. Moi, je suis catholique chrétienne. Mm-hmm. C'est Jésus seul qui ressuscite. Mais... moi, mon fils n'est pas une poupée, mais une marionnette. Et j'ai fait comprendre ça à mon enfant. C'est son problème. Il n'est qu'à penser à sa carrière difficile. Moi, quand j'écoute les chants, là, j'écoute Constance, j'écoute Excel, j'écoute Magie pour Blanchard. La preuve. Quand il y a des obstacles, j'ai mis libéré, oui, je suis libéré. J'écoute pas les bêtises, j'écoute les vraies louanges. Ça, c'est pour toi, KS. KS quoi? KS Bloom. Ah non, j'ai mal aux yeux. Vous pensez que c'est normal qu'un gars comme Olo Kwacha se permette, il n'est pas huissier, et puis il prend la télévision que mon fils a payé à combien de millions pour donner à un individu? Mais là, c'est du vol, hein. C'est du vol. Même le téléphone qu'il a pris, c'est du vol. Là, il a volé des objets d'Arafat. Mais bien sûr, parce qu'il a dit lui-même, en Jésus, la paix à son âme, il a une mère, il a des frères et sœurs. Et je n'ai jamais vu un funérailles où quelqu'un décède et puis sont ses amis qui partagent. De toute façon, pour porter plainte, il faut 10 ans. Je connais mes droits. Ça serait une grande surprise. Un autre qui fait une vidéo, oui, j'ai les clés, j'ai les titres. L'œuvre de l'esprit, ramenez tout ce que vous avez pris, hein. Ramenez. Parce que je serai dans votre corps. C'est mon enfant. Elle est à moi. C'est mon enfant. Vous pensez que vous mettre dans une émission puis insulter les gens, vous pensez que je ne sais pas faire ça? Mais qu'est-ce qui les a amenés à se réveiller ces derniers jours-là? C'est le manque de respect. Et il y a 2 semaines encore, j'étais en voyage, moi. Je suis parti un peu. Depuis 2019, hein, ce qui m'est arrivé, je n'ai même pas. Voyager. J'ai vu même la photo que tu as postée où tu dis que tu as payé ton billet d'avion et la sueur de ton front. Mais oui, j'ai payé la sueur de mon front. La suite était un dégât parce que les commentaires, ils ont tagué. Non, parce qu'ils sont illettrés en fait. Ils sont des petites cervelles. J'ai dit, j'ai payé mon billet d'avion et la sueur de mon front. En bon entendeur, salut, je n'ai pas insulté qui que ce soit. Les commentaires sont venus en bas, on dit, ah, est-ce que d'autres n'ont pas payé la sueur de leurs fesses? Bon, ça n'engage que. Mais ça n'engage que les internautes, hein.
Et ça dépend de ce que la personne démontre sur les réseaux sociaux. Alors Tina, dis-nous, ça m'embête un peu, mais il faut que je te demande. Tu as les nouvelles de Marc Zoppo, l'oncle de Arafat? Non, mon fils n'a pas d'oncle qui s'appelle Marc Zoppo, je ne sais pas qui c'est. Je vous ai déjà dit maintes fois que je ne connais pas cette personne-là. C'est quelqu'un qui a été ingéré par ma mère. Et d'ailleurs, même cette personne a été interdite de prononcer mon nom et prononcer le nom de mes enfants. Parce que je ne le connais pas. Bon, ben, il y a plusieurs versions. Hein. Quand il est là, il demande pardon à sa sœur. Bon, quand tu es là, tu dis non, que tu ne le connais pas, il n'est pas de la famille. Non, enfin, moi, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Et il le sait, je ne le connais pas. Et je viens de dire que ma mère est venue récemment, elle lui a envoyé des menaces en lui disant « Laisse ma fille tranquille, elle ne te connaît pas. » On te dit « On ne te connaît pas. » C'est le titre même, l'homme de Tina Glamour, il est là. Hey, « Hé, monsieur, on t'a déjà dit de quitter dans ma vie. » Maintenant, si tu n'arrêtes pas, je vais saisir la loi. Je n'ai pas besoin de ça, je n'ai pas aimé. En train de parler que lui, elle m'a dit de donner des... Elle m'a dit un jour d'appeler, je ne sais pas quoi. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a. Une vidéo, c'est vrai, elle fait son émission. C'est bien. Mais il ne faut pas aller prendre mes ennemis. Moi, je ne suis pas la marionnette de quelqu'un. Je ne suis pas comédienne. Je ne suis pas blogueuse. C'est nous, on fait vidéo, vous prenez, vous collez. Et d'ailleurs, elle m'a dit, maintenant, vous allez déclarer maintenant mes vidéos, mes trucs que je fais là. Le collage, le burinage. J'ai dit ça la dernière fois, ma petite Eunice. J'ai rigolé. Mais ça devait être sérieux. Ça dit, on attend qu'il y ait un clash et puis on prend encore le col là. C'est trop facile. Mais je n'ai pas aimé. Je ne suis pas un homme de pub. Déjà, la femme n'est plus là. Hein. Mais en esprit, il est là. Il vous regarde. Fallait, je pense que les mamans, c'est sacré. Il faudrait que les gens essayent. Je ne suis pas votre camarade. Ils essayent de contrôler les langages, tu vois. Vous êtes là. Il y a beaucoup d'artistes hein, de ma trempe des années 90 là. Mais c'est moi, vous voyez, pour me piler d'après vous. C'est parce que je vous dérange. Vous souhaitez d'avoir une maman comme moi. Vous cachez vos mamans dans les placards, là. Vous ne me donnez pas à manger. Ne me dérangez pas. Ne me dérangez pas. Trop, c'est trop. Je ne suis pas votre marionnette. Parlez de vos mamans. Vos mamans, là. Arafat n'avait pas honte de sa mère parce que je suis une belle femme. Je sais chanter. Je sais préparer. Et j'ai été marié. Est-ce qu'on a marié vos mamans? Vos mères, on les a mariées. Moi, on m'a épousé. Donc, avant de prononcer mon nom, ça n'a qu'à peser sur vos langues. Là. En quoi même ça dérange même tes sorties? Je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas en quoi ça dérange. Normalement tu es libre de faire ça. C'est vous qui avez payé mon téléphone. C'est vous qui avez payé mon téléphone. Je suis libre de me filmer. Imagine. Je suis libre. Ma page Tina Glamour, là, ce n'est pas pour prendre vos dessous, ou même vos barbes en dette. Vous gardez barbe là, qui vous appelez garder barbe? C'est mon enfant. Mais ils font les sorties sur leur page, hein? Non, à eux aussi, non? Ouais. Où est le problème? Je ne sais pas, ils me prennent pour leur camarade. Vous pensez que quoi? Arafat n'est pas là, donc n'importe qui va venir me taper ici, bon. Et ton autre, parce que ça s'est permis de faire, voilà, un autre aussi, son, où on dirait, je ne sais pas quoi là. Il s'est permis de faire une vidéo pour dire de laisser ta mère tranquille. C'est une petite fille. Elle n'est plus petite fille, elle est femme parce qu'elle a fait un enfant. Et on l'a. Toi, tu es voleur de télévision. Toi, tu es qui? Toi, tu as venu faire vidéo. La vieille. Moi, je ne suis pas ta vieille. Hein. Moi, je suis star. Avant que ton camarade Arafat soit star. Vous voulez qu'on se pile? On va s'épiler maintenant. Je suis immature comme vous. Et moi, c'est cette personne-là. Moi, je suis une dame. Mais Tina. Je suis dit de prendre mon téléphone. Je suis venu faire mes directs. C'est ce que j'ai dit à bouche. La chroniqueuse, là. Miss Bamba, là. Hein? Mais tu as eu, tu as appelé le mari. Je suis libre. Oui. On dit Tina Glamour. Oui. Mon pseudonyme Tina Spencer, après Tina Spenja, après Tina Glamour. Ah. On vous a émancipé si vous portez des dessous, vous êtes en train de me fatiguer. La dja-dja. Mais vous allez voir. La dja-dja. Vous allez voir. Oui, mais c'est la jalousie. Moi, je pense que c'est de la méchanceté. Gratuite. Et c'est de la sorcellerie. Parce que c'est la même chose qu'ils ont fait à mon fils. C'est un boycottage, mais les gars, je suis solide comme ça, comme un rouge. Tu as une carapace. Voilà. Comme Vital. Comme le rock. Moi, mais comparé à Vital, là, c'est chelou, là, c'est trop, hein. Moi, je viens d'arriver, ça faisait 10 ans que je n'étais pas monté. Dans l'avion. Dans l'avion. Mais tu t'es où Oh, je ne dis pas. J'étais quelque part. Parce que tu n'as pas mis la destination. Non, c'est privé. Tu as mis l'avion dans lequel tu étais, mais tu n'as pas dit où tu partais. Voilà. J'étais quelque part, en tout cas, en dehors de la Côte d'Ivoire. C'est bientôt les prémices de... J'étais parti à Azerbaïdjan. Azerbaïdjan. Azerbaïdjan.
Azerbaïdjan. Non, je ne connais pas. Si, il faut regarder la carte, c'est à côté de la Perse. D'accord. C'est bientôt les premiers de l'événement de ton frère Mouri le Mola. Il ne t'a pas nominé pour un prix. Mais l'année dernière, il m'a nominé. En fait, Mouri, oui. Il paraît que tu as laissé la commission pour dire que tu es fâché contre moi. Que quand je t'appelle et tout, comment je t'appelle, c'est pour te couper. C'est pour te couper parce que tu as fait enfant avec la cousine de moi, mes enfants. Tu as eu à dire que oui, maman Tina, je ne décroche pas. Si tu décroches pas mes appels, ça ne me coupe pas le souffle. Hein. Mm-hmm. Mais tu avais invité Sérico à venir manger au désaltéro. La facture fait 50 000 francs. Il a mangé assez de poulet, il s'est désaltéré. Mm-hmm. Donc j'aimerais avoir mes 50 000. C'est à cause de ça que je t'ai appelé. Mm-hmm. Maintenant, Primude, là, je n'ai rien à dire dessus puisque l'année dernière, il m'a honoré. Bien sûr. Il m'a vraiment honoré. Là, je suis en train de te dire, vous savez, le jour où je suis monté sur le podium de Primude, j'étais choqué. Parce que personne a demandé une minute de silence pour Didier Raphaël. Même s'il y a 20 minutes, 20 minutes chaque année, une minute de silence pour Didier Raphaël, parce que c'est lui qui a ouvert la lucarne. Ouais. Et quand je suis monté, je tremblais. Mais je dis merci aux organisateurs. Ouais. Qui a organisé cette fois pour leur petit frère Une minute de silence. Hein? Non. L'année dernière, je l'ai fait. Ouais. Et je lui ai dit merci. Le trophée est là. Et il m'a considéré. Mais dans les coulisses, j'ai appris que Moulin n'était pas content. Tu n'as pas te fâché contre moi. Hein? Moi, je t'ai appelé par rapport à la facture. De Cédric aux 50 000. De Cédric aux... Tu avais dit un jour que Cédric n'est pas venu manger tout et tout. D'abord, un, tu n'es pas venu au rendez-vous. Ça a été vexant. Mm-hmm. Et la facture est là. C'est pourquoi je t'ai appelé. C'est peut-être pas pour payer ma maison, me faire quoi que ce soit. Hein, Moli? Mais la maison a été... Mais il ne faut pas arrêter Primude là. Il hein? faut continuer. La maison qui a été prémise... À Rafna, à Moula. Ah, je ne suis pas au courant. Tu n'es pas au courant? Ça ne me regarde pas. Ça ne te regarde pas, mais c'est ta petite-fille, tu dois être informé. Oui, mais c'est des choses internes. Ça, c'est la vie de Miss Yao. Mm-hmm. Ça ne me regarde pas, je n'étais pas là. Je ne pourrais pas répondre à cette question-là. Bah, voilà, ça, ce n'est pas mes oignons. Alors, Tina. Hein, Anaconda, il ne faut pas trop pas pousser trop le mercure. Là. Alors, j'ai peur de personne, mais ça ne m'intéresse pas, ça. Tina, moi, j'aimerais savoir. Je sais qu'elle, moi, officiellement, on a eu une maison par rapport à toutes les femmes. Ça nous regarde, mm-hmm. Ça c'est privé, c'est pas le problème de quelqu'un, mais là, mm-hmm. Je suis pas dedans. Je suis pas au courant. Je sais pas de quoi il s'agit. Tu n'es pas au courant? Non. Que Moula a promis une maison à Rafna? Non, je suis pas au courant. Des fois, toi, tu as l'information. Moi, je sais qu'il avait promis une maison à Safarel, qui a pris peut-être 5 enfants que Safarel vous sort de la maison, je sais pas. Mais je crois qu'il a eu une maison maintenant. Mm-hmm. Une maison de 40 millions. Oui. Oui, mais c'est une maison. Oui, mais attends, tu dis. C'était une promesse de 5 ans. Bon, c'est une façon de parler, je sais que ça a traîné, ça a duré. Bon, moi, je ne rentre pas dans ces trucs-là. C'est pas mon statut. Dis-nous, et l'état de santé des bébés cas là, ça s'améliore? Ma fille, ça va. Ça va. Oui, merci. La pathologie qu'elle a, elle est assez délicate. Vraiment, Dieu merci. La pathologie qu'elle a, je ne vais pas élaborer ici, elle est assez délicate. Ouais. On est dessus. Tu reçois des coups de main financiers un peu? Un peu. Non. Non? Pas du tout? Non. Mais franchement, il faut au moins que tu reçoives un peu plus d'aide. Parce que moi, quand je pense, depuis tout à l'heure, tu es assise, c'est à Carla que je suis en train de penser. Et je vois la souffrance que tu as. Il n'y a personne qui nous aide, son père et moi, M. Kéké Kassiri, parce qu'on ne m'a pas violé pour faire mes enfants. Mm-hmm. J'ai vécu 12 ans, une vie de concubinage avec cette star aussi, qui est quelqu'un qu'on a mis de côté. Ça veut dire, on est marginalisé. Mm-hmm. Et. C'est des gens qui ne savent même pas l'importance de la musique, qui viennent là critiquer des stars. Mmh. Moi, je ne suis pas icône. Hein. Moi, je ne suis pas icône, je ne suis pas légende. Je suis déesse du showbiz féminin. Vital les a loupés. Et Vital, elle a raison. Parce que j'ai vu un post tout à l'heure où elle a dit, je bosse. Ouais. Comme vous la voyez, elle s'améliore. Bien sûr, oui. Vital fait partie des gens qui ont suivi la continuité de mon érotisme. Le style que je me suis donné, s'il n'y avait pas des adeptes après, j'allais dire, mais écoute, j'ai perdu mon temps. Mm-hmm. Aujourd'hui, tout le monde veut imiter Daichi. Même dans les clips, je vois des gens qui font sa photo. Nous, on crée et puis on prend. C'est ce qu'on dit star. Qui veut ne peut pas être artiste? Non, monsieur la veste rose, là. La prochaine fois qu'on va te dire mon nom, la forme chair de poule. Où peux-tu parler? Tu donnes des conseils à celle. Ta maman même, là, je l'ai eu au téléphone, elle m'a dit qu'elle ne savait pas pourquoi elle t'a mise au monde. Pour que tu viennes parler des mamans des gens. C'est la maman de DJ Arafat. Tu as compris? Et je m'appelle Tina Glamour. Quand je chantais, tu ne savais même pas un jour si tu allais prendre un micro. C'est pourquoi j'ai appelé Chesco le Sultan de te dire, comme on vous les jeunes,
je veux ton numéro, je te dis ça de vive voix, je te dis viens me trouver. Et le Oyi, come and see me. Come and see me. Moi, je ne suis pas nigérien. Tout, et puis tu es là, nigérien, nigérien, tout ça, ça NN. Tu as compris? Moi, je suis même plus Igbo que toi, plus Kalba que toi, parce que tous mes amis, des gens, parce que moi j'adore tous ceux qui sont anglophones. Tu es là, tu chocolates, en fait, tu t'abosses, tu es là, tu es là, tu penses que quoi? Je ne sais pas ce que tu chantes. Tu vois une femme qui est posée dans une robe de soirée tranquille, elle est bien teinte, tranquille, tu es là, oui, c'est sorti. En fait, j'ai dit le mot là. Je suis une femme classe, je ne suis pas venue dans cette émission pour injurer les gens. Mais c'est du tic au tac. De la manière que vous parlez de moi, là, c'est comme ça que je vais vous dire aussi. Quittez dans ma vie. Si je me mets en silico, si je fais 44 vidéos, hein, les frères et sœurs qui font des vidéos de n'importe quoi, tous les jours, matin, midi, soir, pour donner par mari dans les oreilles des gens, là, ça fait honte. Hein? Vous ne voyez pas ça, hein? C'est moi. Pourquoi vous n'essayez pas les autres femmes? Écoute, les femmes chanteuses que nous sommes là, il y a beaucoup qui ont des sales caractères, des sales passés. Ouais. Hein? Moi, je n'ai pas dit que je suis parfaite, je ne cherche pas à être, je suis moi. Ça à prendre ou à laisser. Quand vous vous mettez sur les plateaux là, pensez à votre carrière, pensez à votre avenir. Pour moi là, c'est scellé. Parce que si demain quelque chose m'arrive là, ce n'est pas vous qui allez faire mes funérailles. Il y a une seule télé ici dans la Côte d'Ivoire quand j'ai perdu mon fils. Qui a donné 5 millions de francs, c'est pas. Donc vous, là, ne m'emmerdez pas avec vos bêtises. Des chroniqueurs qui ne sont pas partis à l'école de journalisme, hein, qui se lèvent d'une boîte de nuit, qui se lèvent de choses. Moi, je ne me balade plus comme avant. Je me baladais avant parce que je me sentais rejeté par rapport à mon fils. Où il mettait ses amis. Ces mêmes amis là qui les enlevaient de télévision là. La télévision là, faut, tu vas chercher ça, tu vas me ramener ça. Hein. Tu n'es pas huissier. Tu as compris? Tu es là, tu fais des vidéos et tout. N'importe quoi. Et l'an 3 là, je ne veux plus voir quelqu'un de désaltéré pour venir me parler d'Arafat. Et puis je veux dire, tous ceux qui prennent le fichier de mon fils maintenant, qui en ont là, en fait petit par là bientôt. Parce que vous devez payer des droits. Et la Eurogang, comment ça se passe en ce moment? La Eurogang, la Eurogang se lève quand il y a un événement. D'accord. Okay. Concernant DJ Arafat. Okay, mais j'ai interdit certaines choses. Le 26, personne. Le 26, c'est la naissance de DJ Arafat. Okay. Et c'est quelque chose qu'on ne fête pas. Mm-hmm. Celui qui a envie de le faire, c'est moi qui ai mis mon enfant au monde ce jour-là, qui doit chose. Laissez. Il faut qu'on laisse le petit là se reposer. Et l'an 2, ça ne s'est pas bien passé. Il y a eu trop de marchands ambulants de t-shirts qui, au lieu de prendre le fichier de leur neveu nièce, c'est le fichier de mon enfant. Chose qui n'est pas normale. Parce que après, non, mais attends, c'est méchant. Parce que quand vous faites ça, vous ne pensez pas à moi, sa maman. Vous ne pensez pas à ses enfants. Moi, aujourd'hui mon fils n'est plus. Mon fils n'est plus. Comment je fais pour arrondir mes fins du mois? Personne ne sait. Je ne commande pas chez quelqu'un. Quand je demande au Seigneur, il me donne. Donc, fichez-moi la paix. Fichez-moi la paix. Où je suis là? Vous ne pouvez pas m'arranger, ne me dérangez pas. Parce que aujourd'hui, ma devise aujourd'hui, c'est d'aller à mon live. Faire un spécial live pour les vrais Chinois. Je tiens à saluer la Chine Poporopo, Nathalie Lacaze, qui fait un bon boulot à Paris là-bas, à sa manière. Elle n'est pas obligée. On me dit, oui, je suis la marraine de. Moi, je suis marraine à titre normal. Parce que c'est mon enfant. Si je n'étais pas chanteuse, peut-être qu'on n'allait pas m'ingérer. Même si je n'étais pas chanteuse, on allait dire la maman de DJ Arafat. Bien sûr. Alors, Tina Spendia, quel est l'appel que tu lances à la Chine, la Chine de ton fils DJ Arafat? L'appel de la Chine, je vois d'abord dans mes posts, quand je dépose une photo de moi, ou même une vidéo de moi, on veut des sons d'Arafat. Les choses, on le fait pas à pas. Arafat, on a volé
ses sous dans son ordinateur. Dieu merci, la personne qui s'appelle Avi Landry a eu à faire une vidéo pour dire c'est moi qui ai pris. Voilà le problème qu'il y a. Mais je suis en train de me préparer parce qu'on ne peut pas faire mourir la musique de DJ Arafat, c'est pas possible. Donc, Tina, je pense qu'à son décès, donc chacun a pris pour lui. Apparemment, oui, chacun a pris. On a dépouillé mon fils quand Jésus... Anaconda. Non, je suis en train d'expliquer mon fils. Le 12, on l'a dépouillé comme quand Jésus... Les Romains se sont arrachés ses habits. Et ils pensent qu'en faisant ça... D'abord, un, vous écoutez vos vies spirituellement. De deux, l'œuvre de l'esprit... Hein? Celui qui jouait la musique pour Dieu, il s'appelait le prophète David. Mm-hmm. Parce que c'est pourquoi on dit, quand tu as mal, les louanges, Dieu aime écouter la louange. Hein? Ce qui est sûr, je ne vais pas expliquer trop, hein? La Chine, j'ai compris ce que vous dites. On va, d'ici la nouvelle année, parce que DJ Arafat a signé un contrat avec une maison. Donc, il faut régler les choses en fonction de certaines choses que je ne vais pas élaborer ici. D'accord. Je vous aime, mais ne passez pas votre temps. Quand vous voyez des gens comme des gens très disgracieux à mon égard, c'est vous les Chinois. Je suis la maman de votre patron, de votre président. Donc, quand ça ne va pas là, c'est Tchesko seul le sultan. Petit, merci pour le respect qui a fait une vidéo. Tout le reste, on regarde. Mais c'est pas grave, comme je m'abreuve là aussi, mais c'est ma jolie bouche là pour parler. Voilà votre réponse aussi. C'est coup pour coup maintenant. Donc c'est coup pour coup. Voilà. Ah, ça. Ils me fatiguent, moi, je les ai pilés. Voilà. Alors, je n'ai pas fait de direct, parce que ça ne valait pas la peine. C'était un peu pour expliquer que je ne suis pas la camarade de X ou bien L. Quand on parle d'une artiste, on peut parler de moi dans une émission de télé, mais on parle de mon travail. Bien sûr, pas ta vie. On fait mon autobiographie. Mais lui, m'est sorti. Non, mais je pense que c'est un peu poussé quand même. Mais avec tout ce c'est culotté, c'est pas poussé, c'est culotté. Avec tout ce qui a été dit. C'est culotté. Là... Donc, mon mot de fin, c'est que je suis pas en parlable avec quelqu'un, mais je proclame le respect sur ma vie, je proclame le respect sur ma famille, et je proclame le respect sur ma carrière. Vous ne pouvez pas m'arranger, ne me dérangez pas. Moi, je vais kete gris-gras et puis faire mon live. En bon entendeur, ça lui, ça là. Summertime and the living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. Higher than the morning, Magnon dance. Magnon dance. Magnon dance. Qui peut avoir voix comme ça en vrai? Il y a miel dans ma gueule. Ça, tu dois faire du gospel. Hein. Tu dois faire du gospel. Oui. Parce que c'est une voix de gospel que c'est tu as. C'était un lundi matin. On m'appelle au téléphone. On me dit où es-tu, la maman Tina. Je ne comprenais pas. Wow. Qu'est-ce qui s'est passé? Je chante en trois. Je chante en la majeur, en octave. Vos voix froissées là. Non, en ce moment, l'une des plus belles voix féminines aussi, c'est vital. Hein. L'une des plus belles voix féminines en ce moment, pour moi, c'est vital. Enfin bref. Dis-moi, elle est en train de faire des efforts, la petite. Oui. Il suffit pas de. Il y a des gens ici qui ont les moyens qui ont des voix de crapaud. Oui, beaucoup même. Parmi les artistes, ils voient rien là. Des voix même. C'est-à-dire que quand le piano joue ici, tu entends la voix à Zimbabwe là-bas. Mais comme il y a Jay. En ce moment, tu es dans une relation. Ça te regarde pas. Je descends. Tu m'as posé ça la dernière fois, c'est pas ton problème. Mais peut-être qu'il est intéressé aussi. Non. Il m'a breaké, il m'a donné trop. Mais il sait qu'il t'a breaké, tu ne le connais pas. La bande m'a breaké. Tu peux me supporter. Moi, il sait qu'il t'a breaké. C'est bien. Tu peux supporter. Arrêtez de m'appeler maman. Appelez-moi par mon pseudonyme. Parce que moi, j'ai cru que quand on appelle maman, quelqu'un maman, c'est pas pour venir insulter la personne. Non, mieux vaut ne pas l'appeler maman. Mieux vaut ne m'appeler plus maman. Ça, au moins, tu fais ce que tu veux. Appelle-moi la Sénia. Alors, mesdames et messieurs. C'était un fa-fa spécial. Et dans ce fa-fa, nous avons laissé s'exprimer l'artiste, la Spenga, Tina Spencer. En tout cas, merci. Voilà, parce qu'il fallait qu'elle éclaire les zones d'ombre et tout ce qui se passe par moment sur la toile avec toutes les attaques qu'elle reçoit
Aujourd'hui, nous avons reçu Tina afin qu'elle nous explique et qu'elle puisse donner son avis et sa position sur toutes ces choses qui se passent. Merci à tous ceux qui nous suivent, toutes les pages internet qui partagent, qui relaient le Fafa avec Anaconda et Serge Dufalé. Merci à tous. Que Dieu vous bénisse surtout. Reste couvert. Suivez toujours Fafa, l'émission la plus dangereuse qui concerne la politique en Côte d'Ivoire. Big up.